Salut et bienvenue dans ce petit vlog du mois de mars 2016. Étant donné que cette vidéo va sûrement faire écho à un article de blog que j'ai publié cette semaine, je vous laisse le lien sur le côté histoire que vous ayez le temps d'y jeter un œil. Allez-y, cliquez! Je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié un petit remerciement dans le premier vlog, la personne qui m'a fait mon générique, il s'agit de Samaï. Samaï qui a une chaîne qui vous parlera d'art. Je vous laisse le lien sur le côté, histoire que vous ayez le temps d'aller jeter un œil. Et encore une fois, merci à toi. Concernant les vidéos en cours, vous avez réservé un excellent accueil au format court du type Ex Vi Termini. A l'origine, j'ai travaillé sur le premier Ex Vi Termini à cause d'un peu de manque d'inspiration sur les vidéos sur les matériaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un sujet complexe avec pas mal de notions à développer et j'avais un petit peu du mal à savoir quoi mettre dans la vidéo numéro 2. Mais ne vous inquiétez pas, la vidéo numéro 2 sur les matériaux, elle est écrite. D'ailleurs, j'ai réécrit ce script au moins 3 fois. Elle devrait normalement pouvoir arriver au plus tard fin avril. Dans le meilleur des cas. Pour revenir sur les Ex Vi Termini, la toute dernière vidéo sortie a utilisé des plans de décor en extérieur et a priori vous avez beaucoup apprécié cette petite fantaisie. Alors oui, je vais réitérer l'expérience, même si c'est pas forcément facile, alors que la météo n'est pas toujours d'accord, que la plupart du temps je me retrouve seul à devoir faire les réglages de ma caméra, régler le pied, tout ce qui va bien derrière. Mais encore une fois, ça m'a sorti d'une certaine routine où il s'agissait de tourner uniquement dans mon appartement qui n'est pas forcément très adapté pour ça. Toujours est-il que j'attends encore de votre part que vous m'écriviez dans les commentaires quelles sont les questions que vous vous posez, quels sont les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde. Parce que transmettre un savoir, c'est pas uniquement envoyer des informations sous une forme à peu près digeste, c'est aussi répondre à des questions. Et si vous êtes comme moi, vous vous rendrez très vite compte qu'une fois que vous avez des réponses à vos questions, ça ne fait qu'en produire de nouvelles des questions. Et ça c'est cool parce que ça peut que vous rendre encore plus curieux. Maintenant parlons convention. Je serai présent à la Neocast le 23 et 24 avril 2016 sur le stand de Vidéosciences. Avec moi, il y aura une quinzaine de vidéastes scientifiques. N'hésitez pas à venir nous voir, on sera ravis de discuter avec vous. Et si vous êtes sage, vous aurez peut-être droit à un badge, dans la limite des stocks disponibles parce que j'en ai pas beaucoup. Mais si vous venez me voir et que je n'ai plus de badge, vous aurez peut-être droit à un câlin. Dans la limite des stocks disponibles, là aussi. Je vais vous laisser là-dessus, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions sur la chaîne, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, il n'y a pas de problème. Vous pouvez encore et toujours me rejoindre sur les réseaux sociaux, et surtout, n'oubliez pas de rester curieux, avec humilité et bienveillance.